un petit gauche-droite. Ouais, c'est déjà la fin du tour, la fin d'une aventure commune, parce que quand on part sur le tour, et je pense que ça a été encore plus cette année, parce qu'on était encore plus en bulle, cloîtrés ensemble. Et c'est un moment important aussi pour les sprinteurs, parce que c'est le dernier sprint possible, la dernière occasion. C'est un petit peu plusieurs émotions différentes. Même si ça part tranquille au départ, une fois qu'on est sur les champs, ça roule super vite et ça ronfle. Et puis après, il faut... faut switcher en se disant que ouais, il reste une occasion pour finir en beauté. Max, toi tu seras plus dans un rôle de là, c'est le coq et la raise ici là, à ce niveau là en fait. Donc plutôt dans les 3-4 derniers tours, tu vois. Donc te prendre, essayer de les récupérer, de se retrouver dans cette partie là, que tu fasses l'effort. Ici en général tu as de la place. Pas un sprint de fou, toi, mais un truc régulier pour que nos deux sprinteurs ils soient bien placés et qu'ils subissent pas toute cette partie-là qui est un peu chiante quand tu es mal placé. Voilà, les mecs qui sont devant lancent sur la gauche, et la vague montante est plutôt sur la droite en fait. Souvent les mecs arrivent à revenir sur la droite à la fin. Après, faut pas être trop loin non plus. Hein. L'année passée où il était 7e au virage, et là Greipel quand il est 8e. Et souvent, quand ils font ça, c'est que tout le monde est un peu à bout de course, ça a roulé vite, et puis en fait, tout le monde est un peu mort sur la fin, et il n'y a pas vraiment d'équipe qui arrive à lancer. Et donc là, tu peux revenir. Mais si c'est lancé correctement, sinon c'est 4e au maximum. Le sprint des champs, c'était un sprint qui me convenait bien, parce qu'il y a beaucoup de fatigue de la montagne, et je passais plutôt bien la montagne. Cette année, j'ai pas mal galéré, ça a été dur physiquement, mentalement. Psychologiquement, j'ai envie de dire qu'il nous reste une bataille, quoi. Une bataille importante. Voilà, il faut la jouer à fond. Le maître mot, c'est pas toucher au frein dans le dernier virage et après se concentrer pour emmagasiner le plus de vitesse possible et tout donner, quoi. C'est les dernières forces qu'il faut jeter dans la bataille.